entrée rentre dedans à la découpe. Cette soirée, il est là, Jean Marais. Mes chers amis, pardonnez-moi d'être si prétentieux et d'imaginer que je puisse avoir autant d'amis qu'il y a ce soir de personnes dans cette salle. Mais vous êtes sans aucun doute tous de grands amis du théâtre. Et il n'y a rien de plus émouvant, de plus représentatif, de plus théâtral, que tous ces amis du théâtre venus se réjouir de la gloire de quelques-uns. Je suis certain que chacun de vous pourrait dire, comme le poète, qu'il a contracté le mal rouge et or. Pour ma part, je n'échangerai pas ce mal, cette maladie merveilleuse, contre aucune bonne santé. Au théâtre, les morts ressuscitent et nous parlent. Au théâtre, des fantômes glorieux y circulent. Ce soir, le Châtelet est une véritable maison hantée où chacun de nous possède le privilège de remercier et d'applaudir le talent. Ce soir, le Châtelet ressemble à une allégorie de Versailles, où le grand fantôme de Molière traverse les murs, les velours, nous imprègne de son fluide. Mais, que dis-je, le fantôme de Molière ? Molière ne peut pas être un fantôme. Molière vit. Il vit en nous. Il est partout, dans cette salle, dans toutes les têtes de cet auditoire, dans le lustre, sur cette scène, dans les coulisses, dans les loges, dans la rue, dans le lit, où nos succès, nos insuccès nous retourne et nous empêche de dormir. Molière est donc innombrable et on a eu raison de le mettre au pluriel pour honorer et récompenser la beauté neuve et inattendue du talent et du génie. Molière, existe-t-il un nom qui resplendisse plus librement dans le ciel ? Dans notre ciel, il est lumière. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je m'étonne et je m'attriste qu'il n'y ait pas de récompense pour les maîtres de la lumière, qui créent l'insolite et la beauté tout en enrichissant les auteurs, les metteurs en scène, les acteurs et les décorateurs. Ils savent créer. Ils savent créer un vrai, inventé de toutes pièces,
le fameux plus vrai que le vrai. C'est pourquoi j'espère, je souhaite que dans les années à venir, on récompense les créateurs de la lumière. Les élus de ce soir possèdent cette chose inimitable qui les transforme en constellations. Et notre ciel a besoin d'étoiles. Elles illuminent notre théâtre et le font vivre. Vive le théâtre. Avec respect et amour, j'ai l'impatience des enfants qui attendent Noël. C'est pourquoi je vous dirai sans plus tarder que la 4e cérémonie des Molières est ouverte et qu'elle peut commencer. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Mesdames, messieurs, Maître Lelu, Maître Pichon... Libération, pour ne pas le citer, avait fait une enquête auprès des gens de théâtre pour savoir ce qu'ils écoutaient comme musique, où ils allaient au cinéma, ce qu'ils aimaient comme film, etc. Et le magazine qu'ils avaient cité... et ça nous était allé droit au cœur, c'était L'Autre Journal. Et à ce moment-là, L'Autre Journal n'existait plus. Alors voilà, ce journal, ce mensuel que j'ai créé, il reparaît le 14 mai. Mesdames, messieurs, un Molière très attendu. Pour le remettre, Madame Maria Cazares. Bonjour. Je n'ai rien à vous dire de particulier. Je vais simplement vous parler de la meilleure comédienne pour cette année. Alors, les 5 nominations pour la meilleure comédienne sont Jeanne Birkin, dans Quelque part dans cette vie. Annie Dupéret. Dans Le plaisir de rompre et Le pain de ménage. Denise Jeans. Dans Avant la retraite. Daniel Lebrun. Dans « Faut pas tuer maman », Sonia Volraud. Dans « Les palmes » de Monsieur Schultz. Alors, le Molière est attribué à Denise Jeans.
à la colline, c'était un Thomas Bernard, c'est Claudia Stavisky qui a mis en scène, c'était avec Eleonore Hirt, c'était avec Victoria Rivier, c'était plein de flammes, des flammes si fortes que dans le moment on se sentait à la fois plus chaud et aussi plus brûlé, mais je ne croyais pas que le feu viendrait jusque-là. Et c'est à vous que je le dois, c'est immense. Merci. Le président de la soirée, Jean Marais. Les 5 nominations pour le meilleur spectacle du théâtre privé sont moi, Feuerbach, Théâtre La Bruyère, Les Palmes de Monsieur Schulz, au Théâtre des Mathurins, La Peste au Théâtre de la Porte Saint-Martin, et quelque part dans cette vie, Théâtre des Bouffes Parisiens, et le souper au Théâtre Montparnasse. Molière est attribué aux palmes de M. Schulz. Merci. Merci. On s'est croisés. Merci beaucoup. C'est logique. Le théâtre privé a rempli et continue de remplir sa tâche. Grâce à ce Molière qui nous honore, honore tous ceux qui y travaillent, artistes, techniciens, tous ceux qui font de ce théâtre un lieu de création, je trouve que cette récompense va nous permettre de passer un cap très important. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais par exemple, je crois pouvoir vous dire que, et là je ferai aussi une minute de publicité, que notre spectacle se jouera jusqu'à fin juillet, reprendra fin septembre et se jouera jusqu'à la fin de la saison prochaine. Je demande pardon à nos amis de province qui déjà étaient prêts à nous accueillir. Nous irons les voir un peu plus tard. Mais nous irons les voir, bien évidemment. Je voudrais également, au nom du théâtre privé, et dire à Monsieur le ministre Jacques Lang que nous le remercions d'avoir entendu certaines paroles émises l'année dernière par Jean-Claude Brialy. Nous remercions aussi la ville de Paris d'avoir permis l'organisation de cette soirée, ce qui est toujours une chose très importante, et également de s'intéresser d'une façon toujours soutenue, et cette année d'une façon assez enthousiasmante avec l'opération Paris sur Seine, au théâtre de la capitale. Je ne dis pas cela pour faire de l'ostracisme, mais il est vrai que le théâtre privé a besoin de ces opérations pour que le public se rende compte qu'il y a
que le théâtre privé propose une variété, une diversité de spectacles qui est toujours très bonne à suivre. Enfin, je ne veux pas faire de discours, je veux dire que cette expérience, cette aventure formidable des palmes de M. Schultz, qui prend ce soir une autre dimension, devrait inciter beaucoup de mes confrères à créer des auteurs français contemporains avec des vedettes ou pas de vedettes, mais en tout cas des comédiens de théâtre. Merci. Si M. Jean Marais veut bien nous rejoindre, j'invite M. Pierre Dux à nous rejoindre sur la scène. Et maintenant, mesdames et messieurs, un moment très attendu, Monsieur Georges Gravel. Je ne sais pas très bien ce que je fais là, mais on m'a demandé de venir. Je crois que vous avez entendu tellement de choses ce soir et beaucoup de belles choses que je n'aurai pas l'audace de vous dire un mot de plus. Simplement, vous donnez rendez-vous l'année prochaine pour la 5e nuit des Molières et appelez celui sans qui cette soirée n'aurait été qu'une soirée, Jean-Luc Moreau. Les élèves du cours de Jean Périmoni. J'ai été aidé par monsieur Serge Beauvois, qui est également un ancien élève de Jean Périmoni. Et avec une très très grande joie, une grande émotion, je vous dis à l'année prochaine, à tous, musique, lauréats en scène s'il vous plaît.